Hey, salut, salut, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dont je vous avais déjà parlé puisqu'il s'agit de la suite de ma vidéo mes dessins animés et livres d'enfance. Et donc on va aujourd'hui se pencher donc sur mes séries ou films et livres que je suis donc actuellement, même si ça m'arrive de replonger un petit peu dans les malheurs de Sophie ou d'autres dessins animés et tout ça de mon enfance. Donc on va démarrer tout de suite et donc si vous êtes prêts, c'est parti! On va donc commencer par les livres parce que bah, malheureusement, enfin, il y en a énormément qui me plaisent aujourd'hui. Donc finalement, bah, j'en ai pas choisi beaucoup à vous présenter, donc ça va aller beaucoup plus vite que les films et les séries. Et on va donc commencer avec Rouge Rubis, donc avec, enfin, j'ai les trois livres directement, hein, avec Bleu Saphir et Vert Émeraude. Alors en fait, dans cette histoire, donc pour ceux qui connaissent pas, on va suivre donc Gwendoline Shepherd, donc qui est une jeune fille, une adolescente tout à fait ordinaire qui vit à Londres avec sa famille. Seulement, il y a certains membres de sa famille qui ont la capacité de voyager dans le temps. Et normalement, la prochaine personne de sa famille qui est censée développer ce don, ça doit être donc sa cousine Charlotte. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un don qui se développe durant l'adolescence. En fait, ça, c'est pas quelque chose qu'ils ont depuis la naissance. Ça se développe à un certain âge, je sais plus, je crois que c'est 17 ans, mais je suis plus très sûre. Enfin bref, ça se développe à un certain âge. Donc tout le monde surveille Charlotte de très très près et attend, enfin ils attendent tous avec impatience l'arrivée de ce don. Sauf qu'un jour, Gwendoline fait un saut dans le temps. Donc c'est là qu'on découvre que ce n'est pas Charlotte, sa cousine, qui est la prochaine voyageuse dans le temps, mais que c'est bien Gwendoline. Sauf que le souci, c'est que Gwendoline n'a pas du tout été préparée à ça, contrairement à Charlotte qui, bah, depuis toute petite, a été entraînée, on va dire, à voyager dans le temps. Parce que vous imaginez bien que, enfin, si nous on arrive en 1700 et des patates, on va paraître bizarre. Donc Charlotte avait été entraînée à atterrir dans différentes époques, comment elle devait se tenir, etc. Sauf que Gwendoline n'a pas appris tout ça. Donc voilà, elle apprend subitement que c'est elle la voyageuse dans le temps. Donc il faut qu'elle apprenne tout très très rapidement. Donc déjà, j'adore ce genre d'histoire, enfin tout ce qui touche un peu à l'irréel, voilà, des voyages dans le temps, etc. De toute façon, vous allez voir vite vous rendre compte que c'est beaucoup le genre de choses que j'aime en fait, que ce soit en film, en série ou en livre. C'est vraiment c'est un genre littéraire que j'aime beaucoup. De plus, bah, Gwendoline, en fait, c'est un personnage qui paraît. Enfin, j'aime beaucoup Gwendoline, c'est vraiment un personnage que j'adore. Mais en fait, elle paraît je sais pas, toute fragile, toute innocente. Et ça lui tombe dessus comme ça, enfin, c'est complètement imprévu. Donc, faut vraiment qu'elle essaye de gérer ça au mieux. Et c'est vraiment un personnage que j'aime, que ce soit dans les livres ou dans les films. J'ai vu aussi les films qui m'ont beaucoup plu. Enfin voilà, c'est un livre que je vous conseille, voilà, si vous aimez l'histoire un peu irréelle, l'histoire de voyage dans le temps, etc. Un peu d'histoire d'amour aussi, si vous aimez tout ça, je vous le conseille vraiment. Le deuxième livre, on va dire, livre et film que je suis actuellement, donc c'est tout simplement Harry Potter. Donc je ne vais pas vous refaire le résumé, hein, tout le monde connaît Harry Potter, voilà. Il vit dans une famille, enfin il vit chez sa tante et son oncle, voilà, ils l'ont adopté. Il y vit pas très très bien. Le jour de son 11e anniversaire, il découvre qu'en fait c'est un sorcier, que ses parents étaient sorciers, qu'il va être admis à l'école de Poudlard. Enfin, je vais pas vous refaire le résumé complet, je pense que vous connaissez tous Harry Potter. Moi-même, je suis juste amoureuse d'Harry Potter depuis des années et des années et des années, que ce soit les livres ou les films. Et comme vous le voyez, encore une fois, c'est bah, encore une histoire un peu irréelle, une histoire de magie, etc. Donc ça rejoint déjà ce que j'ai dit avant. Enfin, j'aime beaucoup ces univers-là. En troisième lieu, pour les livres, je vais pas faire de présentation précise, tout simplement parce que c'est quelques mangas. J'aime aussi les mangas, donc notamment Orange et Chiya Yafuru, que je ne vais pas vous réexpliquer le principe de ces mangas, puisque j'ai fait une vidéo il y a peu de temps sur un update lecture spécial manga où vous pouvez retrouver ces deux mangas à l'intérieur. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, bah du coup, je vous invite à aller la voir. Je vais vous la mettre juste ici pour que vous puissiez aller voir. Mais voilà, je vois pas l'intérêt de refaire à nouveau le résumé complet de ces mangas, alors que finalement, vous l'avez déjà dans une autre de mes vidéos. Maintenant, on va donc passer aux séries. Et la première série que je voudrais vous présenter, donc c'est la série Elite que vous pouvez retrouver sur Netflix, où on va suivre l'histoire donc de trois ados, Nadia, Christian et Samuel. En fait, ces trois ados qui sont dans le même lycée, leur lycée s'est effondré. Et donc le constructeur de ce lycée, pour se faire
pardonner entre guillemets, va offrir trois bourses, donc à ces trois ados-là, trois bourses pour une école prestigieuse. Donc on va suivre leur entrée dans cette école, leur évolution, comment ils vont s'adapter donc dans ce milieu très très riche, alors qu'ils viennent de quartiers plutôt pauvres à côté, on va dire, et où dans ce lycée, en fait, finalement, les élèves, ils ont leur avenir tout tracé, c'est un peu les leaders de demain. Mais malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu dans cette école. Donc vraiment, ce que j'ai adoré dans cette série, c'est vraiment l'enquête au fur et à mesure, découvrir le dénouement petit à petit, voir comment il est difficile finalement de... pour une personne, on va dire, d'une classe sociale comme la nôtre, de s'adapter à un environnement très riche où, où l'argent, ça résout les trois quarts des problèmes, etc. Où vraiment, il n'y a aucun souci pour ces gens-là, ils ont leur avenir tout tracé, ils ont limite, ils n'ont pas à s'inquiéter de ce qui va se passer pour eux le lendemain. Voilà, on va vraiment découvrir comment il est difficile pour eux de s'adapter à ce monde-là. Mais surtout, j'adore. Après, j'ai beaucoup aimé surtout la saison 1, évidemment. Je vais pas vous en dire plus parce que je vais un peu spoiler le truc. Mais c'est vraiment dans la saison 1 où tout se passe, je trouve. Après, oui, la suite est bien. J'ai vu les trois saisons. Mais voilà, pour moi, ça reste la saison 1, la meilleure des saisons. La deuxième série que je voulais vous présenter, donc encore une fois, une série sur Netflix. Il s'agit de Sense8, donc où on va suivre. En fait, c'est un peu compliqué comme histoire. Donc, c'est l'histoire de 8 personnes, donc venant des quatre coins du monde. Après le suicide d'une femme, ces 8 personnes vont se retrouver liées, entre guillemets, et ils vont avoir en fait la capacité d'entrer en contact les uns avec les autres, alors que finalement, il y a des gens qui viennent d'Amérique, il y a un homme qui vient d'Afrique, mais ils vont réussir à rentrer en contact les uns avec les autres. Mais physiquement, en fait, ils vont vraiment avoir la capacité d'intervenir dans la réalité des uns des autres. Et ils vont en fait pouvoir mettre à profit des autres, donc leurs talents respectifs. Et donc ces 8 personnes, donc on va appeler les sensitifs, vont être poursuivis par une organisation pas très claire où on comprend pas trop ce qu'ils leur veulent, mais voilà, ils vont essayer de s'en sortir tous ensemble et d'échapper à cette organisation. Donc je tiens à prévenir tout de suite, au début de cette série, enfin moi j'ai eu un peu de mal à suivre au début, c'est vraiment très compliqué au démarrage de se mettre dedans, mais une fois que vous êtes dedans, vraiment c'est une série qui est géniale. Encore une fois, c'est quelque chose d'un peu irréaliste. Ça suit toujours un peu le même cours, c'est vraiment le genre de choses que j'aime. Mais voilà, c'est compliqué au début, mais il faut s'accrocher parce que, enfin, moi je sais qu'après, une fois que j'ai vraiment compris le principe de la série, ça m'a vraiment plu. Donc, le dernier film, ce coup-ci, c'est un film, enfin, c'est une série de films que je vais vous présenter. Donc, il s'agit de Hunger Games. Donc, comme vous avez pu le voir, déjà j'ai tous les DVD, j'adore vraiment Hunger Games. Ce sont des films que j'aime vraiment, les livres, j'adore. J'ai vraiment, vraiment hâte d'ailleurs de m'acheter le dernier livre qui est sorti. C'est Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, que je n'ai toujours pas acheté, mais que j'ai vraiment, vraiment hâte de lire. Et en fait, enfin, beaucoup vont connaître, mais pour ceux qui ne connaissent pas, donc on est à Panem, qui est un état divisé en 12 districts, dirigé donc par le Capitole et le président Snow. Suite à une guerre, le Capitole a décidé de mettre en place un jeu télévisé assez cruel, donc les Hunger Games. Et les 24 participants à ce jeu donc, sont tirés au sort parmi des adolescents, donc un garçon et une fille de chaque district, entre 12 et 18 ans. Et donc voilà, donc ils vont être sélectionnés, ils vont être tirés au sort finalement, pour malheureusement aller se battre à mort dans une arène où il n'y aura qu'un seul survivant. Finalement, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Et donc, lors de la moisson, on va dire, la moisson, c'est la sélection, finalement, c'est le tirage au sort. Donc, durant la moisson des 74e Hunger Games, donc, on va suivre Katniss Everdeen, donc, qui a 16 ans, et qui voit malheureusement sa sœur Prime de seulement 12 ans être tirée au sort pour les prochains Hunger Games. Sauf que, évidemment, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse, la petite Prime, dans une arène? Elle n'a que 12 ans, elle va aller se battre à mort. Enfin, pour elle, il n'y a pas d'autre issue que la mort finalement à cet âge-là. Elle est très 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 jeune, donc évidemment, si elle va dans cette arène, elle ne ressortira pas vivante. Donc Katniss, pour sauver sa sœur, va se porter volontaire pour aller se battre dans l'arène à sa place. Et elle va devenir au fur et à mesure le symbole d'une rébellion en fait. Donc voilà, pour moi, ces films, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Voilà, c'est vraiment un de mes films préférés. J'adore les personnages. Je trouve qu'il faut quand même être complètement dingue pour inventer une histoire pareille, mais voilà, ça n'empêche pas que j'adore, j'adore, j'adore ce film, et j'ai vraiment, vraiment hâte, comme je vous le disais, de lire le livre qui vient de sortir, donc Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. J'ai toujours du mal à retenir le titre en entier.
En fait, pour expliquer un petit peu finalement, là je vous ai expliqué que donc Panem est dirigé par le Capitole et le président Snow. Et justement, le dernier livre qui est sorti, c'est un préquel sur le président Snow. C'est un petit peu, je pense, comment il est arrivé à son pouvoir finalement. On le voit dans ce livre à 18 ans faire ses premiers pas en tant que mentor pour les jeux des Hunger Games. Donc voilà, c'est un petit peu. L'ascension du président Snow à son pouvoir actuel. Et donc juste entre parenthèses, voilà, la série que je suis en train de regarder actuellement, c'est 13 Reasons Why. Je peux pas vous en dire beaucoup de choses, voilà, j'ai vu très très peu d'épisodes. J'en suis toujours à la saison 1 pour vous dire, donc je vais pas m'avancer tout de suite sur cette série. Je pense que je referai peut-être un petit résumé un petit peu plus tard. Peut-être que je posterai quelque chose sur Instagram, je sais pas encore. Mais je veux pas encore donner d'avis sur cette série alors que j'en suis peut-être à la moitié de la saison 1. Et voilà donc pour cette vidéo. Donc dites-moi si elle vous a plu, si vous voulez revoir d'autres vidéos de ce style, des updates lecture ou des choses comme ça. Peut-être des vidéos du film au livre ou des choses comme ça. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner au passage, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous!